Bonjour les enfants et bienvenue dans Jean-Louis et Fifoun parle de bande dessinée. Je suis Fifoun. Je suis Jean-Louis. Oui, alors Jean-Louis, la marionnette ici présente, était au chômage. Elle n'arrive pas à s'empêcher de dire des gros mots, donc... Mais pas du tout. T'es qu'un espèce de... Voilà, comme ça, par exemple. Mais vu que son beau-frère, c'est le coproducteur, bah Jean-Louis va me présenter avec moi. Voilà, commençons tout de suite avec les Cavaliers de l'Apocadispe, une super bande dessinée où c'est l'histoire de trois enfants qui... Non, disons qu'ils font plutôt des grosses bêtises. Voilà, ils font des grosses bêtises comme démonter une partie de la Tour Eiffel pour en garder un souvenir de vacances, ou jouer au football près d'un précipice, ou par exemple, mettre le feu à une usine. Ça, c'est rigolo, mettre le feu à une usine. Hein. Ouais. Et regardez d'ailleurs cet extrait où ils vont visiter le Louvre. Je les ai surpris en train de vandaliser les œuvres d'art, monsieur le directeur. Je les voyais en train de rigoler, alors je me suis approché et je me suis aperçu qu'ils avaient dessiné un petit zizi sur la Joconde. Les Cavaliers de l'Apocalypse maîtrisent la situation. Une bande dessinée de Liban aux éditions Dupuis.